Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Playmobil, donc avec la gamme Aventure, enfin les aventuriers, avec l'hydravion de sauvetage. Donc le set que j'avais dit que j'achèterais, donc je l'ai acheté, qu'on fait, voilà. J'ai pas attendu, je l'ai acheté, donc on va regarder ça ensemble. Donc derrière, on voit, bon c'est un set assez basique, hein. Il n'y a que l'hydravion, un pilote, un peu de végétation. Un raton laveur, oh là, j'ai perdu le nom. Des bouts de racines et puis des flammes. Donc pour pouvoir mettre le feu, je pense, aux broussailles. Parce que l'hydravion. Hop. Donc, comme ici, vous voyez qu'on peut récupérer de l'eau et pour pouvoir le projeter sur le feu. Donc ça c'est pas mal. On va l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, déjà la coque de l'hydravion. Ensuite, un sachet avec le pilote que je vais ouvrir après. Les ailes. Une pochette d'accessoires. Ouvrir ce sachet, on arrache. Donc dedans on a la glace pour le cockpit, la petite planche d'autocollant, la notice, voilà. Et on a un petit dépliant comme on a d'habitude. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Les aventuriers, les pirates, les dragons et les chevaliers. Voilà. La tête du perso. Donc ça, son équipement, enfin sans son casque. Voilà. Je monte tout ça et puis bon, on se retrouve après pour mon avis. Montage terminé. Donc il faut avoir un petit peu donc les possibilités du set, donc enfin de l'hydravion, hein. À part les hélices qui tournent, il n'y a pas grand chose sauf ici donc le petit bouton, hop, où on appuie. Alors attendez, je vais essayer de vous faire voir dedans. Ici vous voyez les trous qui s'ouvrent, donc on appuie sur ce bouton, en fait en dessous ça ouvre ça, donc ça permet de vider l'eau. Et puis ben, l'eau il suffit juste qui rentre dans ce trou là, donc on plonge l'hydravion dedans et après on appuie et ça doit sortir. Donc j'essaierai tout à l'heure voir si ça fonctionne. Je vous ferai une vidéo, enfin vous la verrez sûrement pendant que je parle en action. Donc mon avis sur ce set là, bah pour moi il est pas trop mal, honnêtement pas trop mal. Donc le prix 34 €, donc c'est vrai que ça fait pas donné, je trouve. Mais sinon au niveau le petit décor, je trouve que ça rend vachement bien avec les flammes. Je trouve qu'il... ouais, c'est terrible. J'aime beaucoup ça, ce petit décor. Donc il y avait un autre hydravion aussi, c'était celui de la police. Donc ça, c'est un ancien. Donc je ne l'ai pas pris. Il était moins cher, celui-là il était à 34. Et l'hydravion de la police, il était à 29, je crois. Donc c'est que 5 € moins cher. Mais dans l'hydravion de la police, il n'y a pas de petit décor. Donc c'est ce qui peut expliquer la différence. Mais bon, ils ont deux persos aussi dans l'hydravion, donc enfin bon.
je trouve, c'est surtout parce que c'est nouveau. Donc voilà. Donc non, pour moi c'est un bon petit set. Hein. L'hydravion est pas vraiment super imposant, donc facile à caser. Tout en respectant l'échelle, hein, je trouve il joue bien le jeu. À voir après si ça marche bien le vidage de l'eau. Mais sinon non, ça reste un bon set. Pour aller avec le reste, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à rajouter. Bah, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Qui sera sûrement une Lego. Allez, salut.